On fait effectivement instruction qui fait que votre fin donne moment l'officier, si autant que possible, servir le moins de boîtes, ça veut dire si possible, servir une seule boîte par salle, et avec la raison principale qui nous demande guard rooms, c'est-à-dire une place que nous gardons une boîte là quand l'élection finit, le jour que l'élection a lieu, le polling day. Et ça, la salle là, elle a une place limitée. Donc, l'instruction, c'était autant que possible, servir le moins de boîtes, c'est-à-dire une boîte par salle. Mais si la nécessité est là, avec sous-mot instruction exclusivement, donc donne la permission au SPE, c'est-à-dire le Senior Presiding Officer pour le polling center en question, pour servir le boîte sous vos strict contrôle. Et pour donner fait à vos instructions, je fin personnellement donne un briefing à tout le monde ballot box clerk, c'est-à-dire ça m'a dit vous qui assise à côté ça boîte de vote là, bulletin là. Quand je finis dire des affaires, je finis dire autant que possible, vérifier personnellement que le bulletin est employé d'une certaine manière pour qu'il y prenne le moins d'espace à l'intérieur. Et aussi, servir mon paperclips, parce qu'il nous connaît, et ça, pas seulement dans le numéro 5 qu'il nous fait lire. Nous les avons fait lire dans le passé, mais dans les autres circonscriptions, c'est facile de ne pas le faire lire, sauf dans le numéro 5, avec Et la numéro grandeur 10. du. Et numéro 10. Et numéro 10, sorry, aussi. Quand nous réaliser que si nous laissons le bulletin comment il était, quand il rentre dans la boîte, il est capable de voir, il prend plus l'espace. Donc, nous finissons prendre la décision qui nous donne un paperclips avant un ballot box clocks et une deuxième instruction, c'est pour plier plus petit possible et mettre ça dans un paperclips. Hein. Et aussi, quand l'électeur finit de mettre ce bulletin dans la boîte de vote, nous finissons dire amener une règle ou une règle et pour être capable de make sure que mon bulletin là soit bien distribué dans la boîte et pour assurer autant que possible, ne pas nécessite une deuxième boîte. Je tenais aussi à informer que moi personnellement, je suis contacté plusieurs candidats dans l'après-midi du 7 novembre, que je suis informé qu'ils vont trouver la nécessité de servir certainement de boîtes supplémentaires et personne n'a fini une objection qui s'affaire. Et même un agent qui est présent dans ma salle de vote en question là, pas faire aucune plainte par rapport à l'exercice qu'il fait dans la transparence et devant tout le monde. Motinal Calbas personnellement. Et là-bas, il y a deux centres de vote, Calbas Government School et Calbas Village Hall. Et, premièrement, vous teniez à dire que sa photo qui se trouvait en circulation, qui n'écrit à le statutory packet, c'est-à-dire ça l'enveloppe qui trouve là ou là. Il n'est qu'un Calvas Village Hall Voting Room Number One. Sa photo-là, c'est une photo authentique. C'est une photo vraie parce que moi-même, personnellement, je me suis dans centre de vote-là. Moi-même, personnellement, je me trouve sa boîte-là. C'est une madame qui a une longue larynx qui fait, quand la personne met le bulletin, qui fait pousse le bulletin-là en haut pour partager uniformément. Et moi-même, personnellement, je me félicite sa madame-là. Je me dis, madame, vous pouvez suivre mon instruction à la lettre.